Bien, rebonjour à toutes et tous, ou bonjour à toutes et tous pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc, dernière après-midi, dernière demi-journée sur ces ateliers de la voie professionnelle 2022, avec une table ronde syndicale. On a l'immense plaisir et joie d'accueillir des responsables syndicaux nationaux de la FSU. Sophie Vénétité, donc, qui est secrétaire générale du SNES FSU. Benoît Test, secrétaire général de la FSU. Benoît Hubert, co-secrétaire général du SNEP FSU, et Éric Nicolet, secrétaire général pardon, du SUI FSU. Donc, pour ceux qui maîtrisent peut-être moins bien les sigles, SNES, les enseignants du second degré, PE, les PSIEN, AED, AESH. J'espère que j'ai fait à peu près le tour, sinon je vais me faire. Voilà. Secrétaire général de la FSU, bon, c'est notre fédération, hein, Fédération syndicale unitaire, qui regroupe plus d'une vingtaine de syndicats. Des services publics majoritairement enseignants, mais pas que, puisqu'on a aussi un gros syndicat de la fonction publique territoriale qui fait un énorme boulot. Le SNEP FSU, syndicat, on ne dit pas sport, hein, bien sûr, mais de l'EPS, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et Éric Nicolet, donc SUI FSU, sur le syndicat unitaire de l'inspection au sein de la Fédération syndicale, nouveau syndicat, très jeune, puisqu'il a une demi-année d'existence. Et qui effectivement maintenant syndique à la fois les IEN et les IA IPR. Voilà, donc une table ronde syndicale pour exposer justement la vision de nos syndicats et de la Fédération syndicale unitaire en ce qui concerne la démocratisation du second degré et l'objectif qu'on porte pour l'ensemble des jeunes jusqu'à 18 ans. Voilà. Bah, bonne table ronde et on va commencer avec Sophie, s'il te plaît. Merci à toi. Okay. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation, pour avoir ces échanges avec vous et avec nos autres camarades de la FSU. C'est vrai que la question de la démocratisation du second degré se pose tout particulièrement à la fin de ce quinquennat, qui a été particulièrement redoutable pour le second degré. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est aussi l'occasion d'échanger, de discuter, de se projeter sur ce qu'on porte, sur ce que porte le SNES FSU, mais aussi sur ce qu'on peut porter ensemble pour arriver à cet objectif de démocratisation du second degré, qui est d'autant plus important dans le contexte politique actuel, mais je dirais aussi dans le contexte social actuel, et j'aurai l'occasion d'y revenir à la fin de mon intervention. Alors, si on veut parler de démocratisation du second degré, on est forcément amené, en tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit au SNES FSU, à commencer par faire un bilan, en tout cas à faire un état des lieux de la situation et de s'apercevoir que ce qui a marqué ce quinquennat, mais qui finalement se fait dans le prolongement même des quinquennats précédents, c'est qu'il y a eu une forme de renoncement à cette démocratisation. Et c'est tout particulièrement le cas pendant ce quinquennat, où on a vu que finalement, la ligne directrice de toutes les politiques qui ont été menées par Jean-Michel Blanquer pour les collèges, les lycées généraux et technologiques, ça a été finalement d'être sur des mesures qui ont assigné les élèves à leur position sociale. C'est vraiment ce qui a marqué l'ensemble des politiques menées, tout particulièrement la réforme du bac et du lycée général et technologique, c'est que finalement, elles ont eu pour effet finalement d'enfermer les élèves dans leur position sociale d'origine, de renforcer aussi les inégalités de genre. Il a beaucoup été question dans le débat politique et médiatique ces derniers mois de la question des mathématiques et des filles dans les mathématiques, mais c'est finalement le résultat logique de la réforme du lycée général et technologique avec cette idée de laisser le libre choix aux élèves. Or, on sait très bien, en tout cas on l'avait dit au SNES FSU, on l'a constaté, le libre choix a été finalement à l'encontre de l'égalité. De l'égalité des élèves. Et finalement, ce renoncement à la forme de renoncement à la démocratisation, il s'est traduit aussi par le fait que l'ensemble des politiques qui ont été menées, en tout cas pour nous, sont des politiques qui ont conduit à renvoyer toutes les situations des élèves, toutes les conséquences, tout ce qu'ont vécu nos élèves à leur responsabilité individuelle. C'est-à-dire que la ligne directrice, par exemple, de la réforme du lycée général et technologique, c'était de dire que les élèves sont les acteurs de leur choix, mais ça veut donc dire qu'ils sont responsables de leur choix et de leurs conséquences. Et les conséquences, on a bien vu que c'était justement l'aggravation des inégalités. Et donc, ce renoncement à la démocratisation, il s'est aussi accompagné d'une forme d'individualisation des parcours
qui est très difficilement supportable aussi, parce qu'on sait très bien que ben il y a quand même un certain nombre d'élèves, un certain nombre de familles qui n'ont pas les codes pour finalement arriver à s'orienter comme il faut, à comprendre, à décrypter ce qui se passe dans le second degré, et en renvoyant les uns et les autres à leurs responsabilités individuelles, la conséquence très logique a été l'aggravation des inégalités. Alors, voilà ce qui s'est passé au lycée. Le collège n'a pas été l'objet d'une réforme systémique. Je ne dis pas que ça aurait été bien vu ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer au lycée, mais il n'a pas été l'objet d'une réforme systémique. Et pour autant, il y a eu aussi un certain nombre de mesures qui, là aussi, ont tourné le dos à la démocratisation. Le collège a subi une augmentation des effectifs et une diminution des moyens. Et ce qui a été particulièrement prégnant pour nos collègues de collège, c'est que finalement, toute la question de la difficulté scolaire, du traitement de la difficulté scolaire, a été sortie de la classe. C'est vraiment ce qui a marqué ce quinquennat, c'est qu'on n'est plus en mesure de vraiment traiter la difficulté scolaire dans la classe. Il y a eu le dispositif devoir fait, alors ça, dont on entend beaucoup parler par le ministre et ses collègues, devoir fait qui serait l'alpha et l'oméga de toute la question des difficultés scolaires. Or, c'est une forme d'externalisation de la difficulté scolaire, puisqu'on dit aux élèves et aux professeurs ou aux AED, bah, vous allez aider les élèves à faire leurs devoirs. Mais c'est absolument pas comme ça. En tout cas, au SNES-FSU, on dit que c'est absolument pas comme ça qu'on va traiter la question des difficultés scolaires et la question des inégalités. Et on a même parfois franchi encore un cap dans l'externalisation, avec le recours de plus en plus important dans certains collèges à des associations, voire à des entreprises pour aider les élèves dans un certain nombre de projets. Donc voilà un peu quel est le bilan qu'on fait, en tout cas l'état des lieux qu'on fait, c'est que c'est un quinquennat qui a vraiment marqué une accélération, je dirais, dans le fait de tourner le dos à la démocratisation. Ça s'est traduit en collège et en lycée. Alors, on a beaucoup parlé du lycée, mais on tient vraiment à rappeler ce qui s'est passé en collège et la façon dont les inégalités se sont aussi creusées au collège. Et ça nous amène forcément à continuer la réflexion, à approfondir la réflexion sur ce qu'il faudrait pour les collèges, les lycées généraux et technologiques, au-delà de nos revendications immédiates du type remise à plat de la réforme du lycée et du baccalauréat. Et quand on essaye de se projeter sur, je dirais, sur un temps long, à moyen terme, voire à long terme, sur la façon dont on pourrait reconstruire le second degré, on peut identifier 5 à 6 pistes que je mets en débat et dont on pourra discuter et puis voir aussi comment les uns et les autres appréhendent ces questions-là. Il y a forcément la question des moyens. Alors c'est vrai qu'on est souvent caricaturé, souvent on nous renvoie la balle en disant « Ah bah oui, mais le SNES-FSU, vous demandez toujours des moyens, il n'y en a jamais assez, etc. » Bon, on va déjà commencer par rappeler qu'on en a perdu pas mal sur ce quinquennat, 7900 emplois en moins. Mais c'est surtout ce qui nous semble important si on veut parler de démocratisation du second degré, c'est d'arriver à faire le lien entre ces moyens et la façon dont ça nous permet de réduire les inégalités entre les élèves, et notamment en mettant en avant l'importance du travail en petits groupes. Il y a quand même un certain nombre d'études de chercheurs qui montrent que la diminution des effectifs a des conséquences positives pour les élèves, et notamment les élèves les plus en difficulté. Nous, on pense aussi au SNES-FSU que travailler sur la question de la démocratisation, ça amène forcément à travailler la question des programmes et des contenus qui sont enseignés, avec deux objectifs. Bien évidemment, celui de pouvoir faire accéder nos élèves à une culture, et notamment une culture commune d'un haut niveau, qui permet de maîtriser l'ensemble des enjeux qui se posent aujourd'hui, des enjeux bien évidemment scientifiques. On l'a vu à travers la crise sanitaire, on a vu à quel point il y a ce besoin de partager une culture sur ce sujet-là, mais plus globalement, une culture qui serait commune à tous nos élèves, avec des éléments aussi technologiques, de culture technologique et professionnelle, pour faire du commun le plus longtemps possible. Parce que la démocratisation, elle passera aussi par notre capacité à faire du commun entre tous les élèves pour les faire réussir, d'où cette question des programmes et des contenus. On est amené aussi, selon nous, à se poser la question des pratiques professionnelles. Alors, c'est une question qui est toujours un peu sensible, parce qu'on sait très bien qu'elle nous est parfois renvoyée, parfois par l'institution, en disant « ce sont vos pratiques qui sont en cause ». Je pense qu'on est très nombreux à avoir eu parfois un discours, mais je parle aussi sous le contrôle d'Éric, qui pourra aussi nous en dire un peu plus, mais on a parfois entendu un discours renvoyant à nos pratiques professionnelles en disant « mais en fait, c'est un peu de votre faute si les élèves n'y arrivent pas, c'est parce que vous ne le faites pas bien ». C'est souvent un discours qu'on a entendu. Nous, on pense qu'il faut aborder cette question des pratiques sans tabou, en se demandant finalement comment est-ce qu'on peut avoir des pratiques qui n'amplifient pas les inégalités. Et typiquement, nous, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la question de l'oral. Parce que une des mesures phares de Jean-Michel Blanquer, c'était le grand oral, en disant « ça y est, on va enfin faire de l'oral au lycée ».
Alors, le grand oral dans sa forme et sur le fond, la façon dont il est conçu nous pose problème, mais c'est pas pour autant qu'on rejette la nécessité de travailler l'oral. Parce qu'on a trop vu nos élèves revenir après leur bac et nous dire « Ah ouais, mais en fait, c'est dur, quoi. Je vois le fossé avec d'autres élèves, d'autres lycées, d'autres milieux. » Et forcément, ça nous interpelle. Et on se dit « Mais comment est-ce qu'on peut travailler l'oral ?» dont on sait que c'est une pratique qui est très socialement marquée. Et donc, voilà, réfléchir à nos pratiques, par exemple sur l'oral, nos pratiques en classe, puisque c'est bien en classe que se feront que se résoudront les inégalités. Bien évidemment, on est amené aussi à réfléchir à la question de l'orientation et notamment à des passerelles entre les différentes voies, les différentes filières. Mais là aussi, il y a des choses qui pourront être précisées par la suite. Et je voudrais terminer sur un point qui nous semble particulièrement important sur la question de la démocratisation, c'est la question des personnels. Il ne pourra pas y avoir de démocratisation du second degré sans finalement des personnels qui sont confortés dans leur statut, confortés dans leur mission. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, donc je ne vais pas trop développer, mais quand on voit comment le statut des enseignants est attaqué, notamment à travers les projets politiques qui se dessinent, on voit bien que tous ces projets-là, à travers la remise en cause des personnels, ça revient aussi à rendre plus difficile la démocratisation, parce que quand on est en concurrence les uns les autres, quand on est sous la pression des chefs d'établissement, on ne peut pas travailler sereinement à la question notamment de la réussite de tous nos élèves. Et je finirai en disant que cette question de la démocratisation, on le voit bien, elle traverse bien évidemment tous nos champs, tout particulièrement donc là le second degré, les questions de collège et de lycée. Il y a des pistes qui s'ouvrent à nous et c'est très bien qu'on puisse en discuter entre nous, avoir le débat, mais c'est particulièrement enfin, c'est un impératif aujourd'hui, c'est un impératif scolaire, on le voit bien au regard des inégalités, c'est un impératif social et c'est un impératif démocratique. Et c'est pour ça qu'il nous semble qu'on doit vraiment porter cette question-là aujourd'hui, parce qu'on sait très bien les effets absolument délétères que peuvent produire les inégalités en termes sociaux, mais aussi en termes démocratiques. Plus que jamais aujourd'hui, on a besoin d'avoir ce débat-là sur la démocratisation de notre système éducatif et de l'avoir ensemble, parce que c'est aussi en travaillant ensemble au sein de la FSU avec les différents syndicats du second degré qu'on arrivera à construire tous les éléments qui sont constitutifs de cette culture commune et du coup de la démocratisation du second degré. Voilà, je pense que j'ai fait beaucoup trop long par rapport à la commande, mais voilà. Bon, en tout cas, merci à tous et puis voilà, je pense qu'on aura l'occasion de poursuivre le débat. Vous préférez les inspecteurs ou les profs de PS ? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Éric Nicolet, je suis en effet secrétaire général du SUI, syndicat unitaire d'inspection, qui syndique donc des IEN que vous voyez dans les lycées professionnels, les IEN du second degré, mais aussi des IEN du premier degré et des IAIPR donc, que vous voyez dans les collèges et les lycées. Je vais juste commencer par une anecdote, parce que Sigrid me disait tout à l'heure que les oreilles des inspectrices et des inspecteurs ont sifflé ce matin. Ça me rappelle en fait quand j'ai passé le concours en 2009, j'étais donc stagiaire au moment du passage du bac pro en 3 ans. Et je me souviens d'un rendez-vous avec le DAFPIC de mon académie, auquel je livrais toutes les interrogations que j'avais par rapport à cette mesure qui consistait à réduire d'un an donc la durée de formation de nos élèves en voie professionnelle. Et je lui disais que ça allait renforcer les difficultés de ceux qui étaient les plus fragiles. Et il m'avait tout de suite interrompu en me disant « Mais je ne veux pas entendre de discours syndical. Ce que je veux, c'est que les profs y croient. » Et alors, j'étais jeune inspecteur stagiaire, je n'étais pas encore syndiqué. Je crois que c'est le soir même que j'ai envoyé mon bulletin d'adhésion au SNPI FSU. Alors, peut-être un peu comme Sophie, je vais parler du lycée professionnel. J'étais PLP STMS avant d'être inspecteur. Et donc, le lycée professionnel m'intéresse particulièrement. Et je crois que, justement, il a été longtemps et dès son origine un outil pour la démocratisation, justement, du second degré, en permettant à des élèves qui, jusqu'alors, étaient exclus de cette possibilité, justement, d'accéder à des études et de pouvoir, au-delà du baccalauréat professionnel, continuer et poursuivre leurs études vers des études supérieures. Le lycée professionnel a été un de ces outils vraiment importants et c'est peut-être ce qui,
ce qui justement pose problème aujourd'hui aux décideurs et on le voit bien dans les politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui par depuis 2009, donc je dirais par la droite, je simplifie, hein, excusez-moi, tout le monde sait bien qu'Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer ne sont pas de droite, mais bon, voilà, par souci de simplification, je dis les politiques qui sont menées à droite depuis 2009 en direction du lycée professionnel. Et donc, en réfléchissant à mon propos, je me suis dit que, en fait, tout cela n'est qu'idéologie, méconnaissance et représentation erronée de ce que sont à la fois nos élèves et de leurs besoins et de leurs ambitions. Parmi ces idées, je voudrais en citer quelques-unes, comme par exemple celle de l'apprentissage, je sais que vous en avez beaucoup parlé ici, l'apprentissage qui serait la solution pour les élèves qui rencontrent des difficultés scolaires, la fameuse intelligence de la main de Jean-Pierre Raffarin. Vous l'avez évoqué, hein, je crois, hier, mais je ne reviendrai pas dessus. Mais évidemment, non, l'apprentissage n'est pas la voie la plus adaptée pour les élèves qui sont les plus en difficulté, même si c'est une voie qui est intéressante. Hein, je crois qu'il ne faut pas la rejeter, il ne faut pas la dénigrer. Elle correspond à un certain nombre de profils. Mais nos élèves qui sont en difficulté, qui arrivent au lycée professionnel, ont besoin d'école. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut sans cesse redire. Ils ont besoin d'école, ils ont besoin de temps, ils ont besoin de formation. Tout au contraire de ce qui a été fait ces dernières années, notamment dans la transformation de la voie professionnelle qui a amené donc la réduction des heures d'enseignement. La méconnaissance par nos décideurs, quand je parle des décideurs, le cabinet ministériel, mais aussi la DGESCO, mais aussi notre inspection générale, qui sont... très, très éloigné de la réalité des publics que nous accueillons, mais aussi des enjeux de la formation professionnelle. Il n'y a qu'à voir les choix aberrants qui sont faits parfois sur les cartes de formation pour se rendre compte qu'il y a vraiment un écart qui est terrible entre les personnes qui sont aujourd'hui amenées à prendre des décisions et la réalité de terrain. La représentation absurde selon laquelle nos élèves qui... arrivent au lycée professionnel et qui ont souvent eu des parcours scolaires douloureux, eh bien, il faudrait réduire les enseignements, et en particulier les enseignements généraux, parce que ce sont des enseignements qui les rebutent. Et je me souviendrai, je pense toujours, de la phrase de Jean-Michel Blanquer, avec un gros clin d'œil complice, en nous disant « Nous sommes bien d'accord qu'ils ont atteint leurs limites ». Voilà. Ça veut dire beaucoup sur la représentation que le ministre peut avoir des élèves qui aujourd'hui sont au lycée professionnel. Mais je crois que surtout l'idée générale qui sous-tend toutes ces politiques, c'est que en fait, les enfants de pauvres n'ont pas leur place dans notre système éducatif, et en particulier à l'université. Je dis les enfants de pauvres parce que bon, je crois qu'il ne faut pas qu'on se le cache, hein, au lycée professionnel, on retrouve une grande majorité d'élèves qui sont issus des familles les plus pauvres de notre pays. Et ces élèves, eh bien, en ayant un bac, eh bien, ils ont la possibilité d'aller à l'université. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est particulièrement inacceptable pour eux, enfin pour eux, pas pour les élèves, hein, vous avez compris. Et ça a mené, d'ailleurs, ça a conduit, en grande partie, c'est pas la seule raison, mais vous le savez, à l'avènement de Parcoursup. Le fait qu'on soit passé de à peu près 100 000 élèves, 100 000 bacheliers professionnels en 2010 à 190 000 ou 200 000 aujourd'hui, a fait que, eh bien, il y a eu beaucoup plus d'élèves qui sont arrivés à l'université, dont l'université n'a pas su que faire, mais bah, ce n'est pas de la faute à l'université, c'est tout simplement parce que les moyens n'ont pas été donnés à l'université, qu'ils ont eu des difficultés pour les y accueillir, et donc que ça aboutit à un certain nombre d'idées de tri, et notamment à ce magnifique outil de tri social qu'est Parcoursup. Voilà. Et puis n'oublions pas non plus que pour nos dirigeants actuels, la formation a un coût. Donc ça a été une des motivations, hein, de la réduction du bac pro de 4 ans à 3 ans. Ça a permis de réduire quand même drastiquement les effectifs enseignants. Et vous imaginez également ce que permettrait, quand on entend le projet du candidat Macron
de transformer la terminale en une année de, d'alternance ou d'apprentissage, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ça amènerait évidemment à des économies très très importantes. À ce propos, d'ailleurs, je vous rappelle que cette proposition de passer l'année de terminale totalement en apprentissage ou en alternance, c'était une idée, c'était une proposition du candidat Sarkozy en 2012. C'était une proposition. Bon, il n'a pas été élu, ça n'a pas pu se faire, mais vous voyez qu'il y a, il y a là-dedans une grande cohérence, en fait, des politiques qui sont menées et des idées qui sont celles de nos dirigeants aujourd'hui. Voilà, donc j'aurais bien aimé vous parler longuement, mais je sais qu'il n'y a pas le temps, parce que tu avais dit 10 minutes, j'ai peut-être déjà débordé, je ne sais pas où j'en suis, mais j'aurais aimé vous faire un bilan de la transformation de la voie professionnelle, mais vraiment ça aurait été très long, puis ce n'est pas très facile non plus, parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour faire le bilan de cette transformation de la voie professionnelle qui a été percutée par la crise sanitaire et qui, d'ailleurs, qui a montré les limites des mesures qui avaient été prises, puisque dans cette période de crise, eh bien, il a fallu adapter, annuler un certain nombre de dispositions qui finalement n'auront pas été jusqu'au bout, et dont on nous dit déjà que cette transformation de la voie professionnelle, qui était la mesure, enfin une des deux grandes mesures du quinquennat de Blanquer, eh bien, serait mise à la poubelle très prochainement, sans qu'on ait fait le bilan de ce qui s'est réellement passé. Donc, au-delà des priorités qui avaient été annoncées avec cette transformation de la voie professionnelle, hein, qui était de redonner justement de l'attractivité à la voie professionnelle et du sens aux enseignements, comme si les enseignements n'en avaient pas avant, ces priorités, en fait, elles aboutissent à un véritable recul de l'ambition pour la voie professionnelle. Recul de l'ambition qui est d'autant plus fort que, je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement persiste à promouvoir l'apprentissage, qui est toujours présenté comme une solution pour former ceux qui sont les plus en difficulté. Et pourtant, l'apprentissage, alors c'est vrai, vous voyez des chiffres qui vous montrent que l'apprentissage a considérablement progressé ces dernières années, mais ce sont des chiffres qu'il faut regarder vraiment avec beaucoup d'attention, parce que aujourd'hui, l'apprentissage, il progresse énormément sur les diplômes de l'enseignement supérieur. Il ne progresse pas pour les diplômes, notamment de niveau 3 de CAP, qui aujourd'hui représente moins de 35%, je crois, de l'ensemble des apprentis. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout à travers l'apprentissage qu'on va trouver des solutions de scolarisation pour les élèves qui rencontrent le plus de difficultés. Donc, bref, pour dire que tout ça s'inscrit dans une logique qui est une logique d'asservissement, en fait, de la formation professionnelle aux besoins des entreprises. Assez clairement, cette transformation de la voie professionnelle qui avait été voulue par Jean-Michel Blanquer et qui accompagnait une autre grande loi qui était celle de la liberté de choisir son avenir professionnel, donc une loi qui relève du ministère du Travail, eh bien, étaient en fait deux mesures qui étaient connexes et qui allaient vraiment dans le même sens et qui verront peut-être leur aboutissement si le candidat Macron est élu. Une nouvelle étape, je dirais, de la destruction du lycée professionnel. L'idée était donc de réduire les heures d'enseignement, notamment les enseignements généraux, et ça répondait à une première revendication des entreprises qui était de dire « mais à quoi bon former en français, en histoire ou encore en langue étrangère des élèves de voie professionnelle ?» Alors que tout ce qui nous intéresse, nous, entrepreneurs, c'est la maîtrise du geste professionnel. L'introduction également des blocs de compétences qui répondent à une exigence de mixité de public, eh bien, cela répond également à une autre demande des entreprises qui est de former des élèves pour seulement ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves vont pouvoir venir en formation professionnelle dans nos établissements, être formés sur une partie du métier
et ensuite être repartir tout de suite dans les entreprises pour exercer ce métier, mais je dirais, ils n'ont plus besoin d'avoir une formation complète, globale, telle que on peut la concevoir dans un bac professionnel très large. Donc on voit bien, hein, ces choix politiques ont été clairement asservis aux souhaits des entreprises et qui sont vraiment le signe de l'abandon d'une triple ambition, hein, qui était portée par le lycée professionnel. Donc la première ambition, c'était de former des professionnels à des compétences larges, qui soient capables de s'adapter à des situations nouvelles, à des situations d'évolution de leur métier. C'était aussi l'ambition de former des citoyens, dotés d'une base socioculturelle qui soit suffisante pour faire des choix éclairés tout au long de leur vie. Et puis, c'était l'ambition également d'élever les niveaux de qualification au plus haut. Et justement, d'élever les niveaux de qualification d'élèves qui sont très majoritairement issus de milieux défavorisés et au parcours scolaire chaotique. Voilà, donc, pour conclure, moi, je dirais que OSU, FSU, nous continuons, nous, inspectrices et inspecteurs, à défendre l'idée que les finalités de la formation professionnelle sous statut scolaire sont tout autant celle de la formation du citoyen, capable donc de trouver sa place, comme je le disais tout à l'heure, dans la société, de développer des qualités, des valeurs humaines, des valeurs culturelles, intellectuelles, qui lui permettent de se former tout au long de la vie, et aussi, bien sûr, la découverte d'un métier à travers l'apprentissage de ses pratiques professionnelles. Et pour cela, nous considérons que seul un enseignement professionnel public, ambitieux, et surtout, Sophie le disait tout à l'heure, doter des moyens nécessaires à cette ambition. Je crois qu'on nous dit souvent, tu le disais, on nous dit, mais vous nous demandez toujours des moyens. Ben oui, en effet, il faut des moyens pour pouvoir justement concrétiser cette ambition. Et c'est vraiment notre demande, notre bataille. Et donc, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, nous considérons que nos élèves ont vraiment besoin d'école, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de formation, donc ils ont besoin d'enseignants, ils ont besoin de moyens, d'équipements. Et c'est à travers ces moyens et à travers ce temps qu'on pourra leur donner que ce projet de démocratisation du second degré, de démocratisation scolaire pourra aboutir. Voilà, merci. C'est mon tour. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je suis toujours ravi, moi, de venir au SNUEP. C'est un lieu où je me sens bien. Tu aurais très bien pu parler de sport, parce qu'effectivement, on ne syndique pas uniquement les professeurs de PS, mais aussi les professeurs de sport. On est dans différents ministères. Je dis ça pour une simple raison, c'est que finalement, cette problème de démocratisation, ça traverse tous les champs de la société, et pas seulement la question second degré. On le voit un peu partout. Je pense qu'initialement, on a une idée reçue à combattre, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de permettre aux élèves d'accéder aux études du second degré, ou alors d'afficher des résultats faramineux, comme on en a et dont on sait parfois ce qu'ils valent, pour dire que le second degré est démocratisé. Je pense qu'il faut qu'on revienne au sens étymologique du terme, c'est-à-dire c'est donner le pouvoir au peuple. Ce qui revient à dire, pour l'éducation nationale, que la mission d'une école émancipée, démocratisée, c'est donner les clés de compréhension du monde, les outils pour agir sur le monde, le connaître, s'y reconnaître et le transformer. Alors, si démocratiser le second degré, c'était simple, je pense qu'on l'aurait déjà fait. Je pense qu'on aurait pu aussi le faire, au moins y participer. Mais il faut quand même tenir compte du fait qu'il y a un certain poids historique de la construction de notre école, qui est empreinte de reproduction sociale, de tri, de sélection. Et puis aussi compter sur une absence de volonté politique forte qui se complaît finalement dans une recherche qui vise à dégager une élite en donnant aux autres le minimum vital. Alors il y a Sophie en a parlé, il y a des leviers nombreux, multiformes. Ils sont connus pour la plupart, mais ça nécessite une transformation en profondeur de notre système scolaire, mais aussi de notre système de pensée. Je vais en évoquer quelques-uns. Je serai plus court que mes camarades, comme ça je rattrape le temps qu'ils ont pris. À l'ère de l'individualisation à outrance, de la construction
par chacun, chacune de ses propres parcours, de la responsabilité individuelle de sa réussite ou de ses échecs, comme tu as dit tout à l'heure, Sophie. Je pense qu'on a à opposer, nous, une culture commune qui soit ambitieuse, exigeante et des méthodes qui remettent le collectif au cœur parce qu'on apprend par et avec l'autre. Et là, effectivement, les effectifs jouent un rôle majeur. Alors, dans un passé qui n'était pas si lointain que ça, on avait travaillé à la définition d'une culture commune au sein de la FSU. Ça avait donné lieu à des ouvrages. À l'aune des transformations maintenant sociales, sociétales, scolaires qu'on connaît tous, on a à la repenser, à la retravailler, et notamment en partant des jeunes qui n'ont que l'école pour apprendre. L'Institut de recherche s'est saisi de la question. On a un peu poussé, mais ça y est, ils s'en sont saisis, et c'est une très bonne chose, tu pourrais le dire à Paul Devin, Benoît. Voilà. Je pense qu'en premier lieu, il nous faut qu'on pense le commun, en tout cas. Le commun. Et pour exemplifier le propos, par ma discipline, l'EPS, on pourrait être très, très satisfait de ce qui se passe actuellement, dans le sens où on a des dispositifs complémentaires en nombre dans l'école. On a l'UNSS, on a les sections sportives scolaires, on a des options, on a un enseignement de spécialité, on a une unité facultative dans la voie pro, on a une mention complémentaire, voilà. Mais pour autant, ça s'adresse qu'à quelques élèves, voilà. Et c'est pas ceux, finalement, qui auraient besoin du plus de pratiques physiques, le plus de PS. Donc, la problématique de la démocratisation, elle n'est pas résolue par ce problème de dispositifs supplémentaires. Donc, ce qui fait que le SNEP est toujours pas content, bien évidemment. Et ça se fait aussi au détriment des élèves de la voie pro, qui eux ont perdu des horaires disciplinaires en EPS, ce qui est une calamité en soi. Parce que je pense que c'est un des endroits, en tout cas, où les besoins en couverture culturelle, en ouverture culturelle, dans sa dimension la plus large, sont les plus importants. Penser à partir des jeunes qui n'ont que l'école pour apprendre, c'est aussi desserrer l'étreinte temporelle. Apprendre, ça peut être ardu, ça peut nécessiter du temps long. Il faut accepter qu'il n'existe pas de modèle unique d'élève. Et ça, on a un peu trop ça, tendance à ça dans l'éducation nationale. Il faut permettre des parcours plus longs si on veut viser la réussite de tous, et ce n'est pas une ineptie. Je pense ici notamment au bac pro 3 ans, bien évidemment, qui a fait des dégâts, qui ont certes été masqués, mais qui existent toujours. Je pense aussi au parcours linéarisé où les accidents ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire, quels que soient les apprentissages réalisés ou pas d'un élève, on passe d'une classe à l'autre en s'enfonçant parfois dans les difficultés scolaires qui auraient pu être résolues. Notre boussole à tous, ici, je pense que ça devrait être celle du « tous capables », même si les rythmes peuvent différer. Il y a bien sûr à penser et reposer fortement la question de la scolarité obligatoire portée à 18 ans et l'organisation programmatique qui va avec. Une question qui est souvent évoquée, notamment quand on vient chez vous, c'est les filières à égale dignité. Voilà. Ben, là aussi, je pense qu'il faut changer de regard et de philosophie d'orientation. L'orientation, elle doit être réellement choisie, même si elle peut et elle doit être accompagnée par des professionnels que sont les psyennes. Hein. Alors, deux petites anecdotes pour lesquelles j'évoque ça. C'est parce que moi, dans mon parcours personnel, j'ai fait un collège normal, pas mauvais élève. Et j'ai voulu m'orienter en lycée agricole. Et ben, il a fallu que je me bagarre pendant 3 mois dans mon collège pour pouvoir accéder au lycée agricole, parce que la filière normale, c'était LGT. Donc, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Deuxième anecdote, mardi dernier, j'ai pété un câble en conseil de classe de 5e, parce qu'il y a un élève qui est en difficulté scolaire, qui a de mauvais résultats. Et quand un chef d'établissement vous dit « c'est pas grave, il veut faire mécanique », moi, je suis désolé, je sors de mes gonds, je ne peux pas. Donc voilà, il y a les deux facettes, et cette orientation, elle devrait être choisie et pas autre chose. Accompagnée, certes, mais choisie. Il n'y a pas de filière noble, il n'y en a pas d'autres qui le seraient moins. Reconnaître les diplômes et qualifications. Alors, pour y participer, je pense qu'il nous faut absolument sortir du tout compétence et surtout de ces grandes compétences dites transversales qui n'ont de réalité objective que sur le papier. Avoir des smileys vert, jaune, bleu ne dit rien des savoirs et acquisitions réelles des élèves. Enfin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que je ne voudrais pas être long, parce qu'il faut que je rattrape le temps, je ne voudrais pas quand même intervenir sans vous faire bondir un petit peu, parce que j'aime bien. Je voudrais avec vous évoquer là, ici, la bienveillance. Ah, j'étais sûr que ça vous ferait réagir. Vous savez, le cache-misère blanquérien qui vise qu'à masquer en fait, le désastre et les dégâts de ces réformes et politiques. Je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse de cette bienveillance,
Parce qu'être bienveillant pour moi, c'est respecter les élèves, et les respecter, c'est jamais leur mentir. C'est être exigeant, en reconnaissant quand même le droit à l'erreur. C'est jamais les leurrer. Moi, j'estime que je suis bienveillant quand je mets 8 à un gamin et que ce dernier, il connaît les critères, les indicateurs qui m'ont amené à l'évaluer comme ça. J'estime que je suis bienveillant quand je lui permets de se situer sur une échelle par rapport aux attendus. Par contre, je ne le suis pas et je le leurre. Si j'étais amené à lui faire croire qu'il aurait coché quelques cases en lui mettant un petit bonhomme rouge ou orange. Pour rester dans ce triptyque bienveillance, diplôme, qualification, je trouve que la manière dont s'est construit le bac pro sport, qu'en est pas un, mais bon, ça c'est un leurre complet. Dans ce domaine d'activité, comme dans les autres, comme dans beaucoup d'autres, il y a un besoin d'expertise qui est énorme. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Et faire miroiter aux jeunes une qualification en sport qui va leur permettre de travailler dans ce domaine, sans leur dire qu'au final, avec un BPJEPS, ils seront manœuvres ou sous-payés, c'est une malhonnêteté totale. Le BPJEPS, accompagné d'un bac pro, ça doit être un tremplin pour aller plus avant dans les études pour une qualification supérieure. Et il faut sortir de l'assignation à résidence qui consiste à ne percevoir la poursuite d'études qu'en BTS. Toutes les voies devraient être possibles. Alors, pour rester sur l'exemple, il y a une recherche récente là, qui a été menée, je ne sais plus le nom de la dame qui l'a faite, qui montre que des élèves de la voie pro, au parcours personnel sportif, réussissent très bien en STAPS, parce qu'ils mobilisent d'autres ressorts motivationnels que les simples connaissances acquises jusqu'alors. Il ne faut jamais, je pense, juger ni préjuger de l'avenir et des capacités d'un jeune. Il y a beaucoup de parcours atypiques, j'en suis un, et il faut les permettre. Je connais par exemple à l'INSP de Reims, un maître de conférence qui a fait initialement un CAP Fraser-Tourneur. Tout est possible, quoi. Donc il faut ouvrir tous ces possibles pour viser la réussite de tous les jeunes, sans discrimination aucune, et lutter contre nos propres, parfois, représentations, voire préjugés. Il nous faut repenser le système scolaire et nous projeter vers un ailleurs qui serait bien plus réjouissant, ouais, désirable et démocratisé, oui. Bon, donc c'est à moi pour essayer de non pas synthétiser tout ce qui a été dit, mais essayer de reprendre un certain nombre de choses dans le cadre du projet de la FSU. Je voudrais évidemment vous remercier et puis vous féliciter aussi de l'organisation de ce colloque, parce que c'est vrai que je voudrais commencer par là. Ça fait du bien quand même d'entendre ce type de discours dans la période. On a un sujet qui n'est pas complètement simple. Benoît l'a dit, mais avant ça a été dit également. La démocratisation, c'est un peu renvoyé à un projet de doux rêveur, voire de naïf, voire de gauchiste, ou en tout cas un truc un peu illusoire et qui finalement n'a pas trop le vent en poupe, quoi. Et on voit bien dans le débat électoral actuel à quel point on souffre, quoi. Enfin, on est accablé de propositions toutes plus démagogiques selon nous les unes que les autres, mais qui malgré tout surfent sur un certain nombre de choses qu'on entend ici ou là. Et le second degré en particulier, les autres degrés aussi, hein, les autres niveaux d'enseignement aussi, l'éducation en général, mais le second degré quand même en particulier, c'est justement le sujet de toutes les démagogies, de tous les simplismes qui surfent parfois sur des vraies problématiques, évidemment, je vais y revenir, mais quand on se contente de dire, voilà, il faudrait une orientation plus précoce, et puis l'apprentissage, c'est quand même mieux, on va mettre la main à la pâte, et puis l'intelligence de la main, le travail manuel, il faudrait, certains élèves sont plus faits pour ça, et d'autres pour autre chose. On se contente souvent de propos de café du commerce, en tout cas de propos simplistes, et par rapport à ça, c'est pour ça que je commençais par vous remercier d'organiser ce colloque, d'être présent, etc., parce que moi, je suis quand même très fier d'être dans une fédération syndicale et puis que syndicalement, dans l'enseignement, qui a tenu. C'est vraiment cette idée de tenir le coup sur cette idée que, évidemment, qui n'est pas simple à manier et qui n'est pas simpliste, sur cette idée que l'éducation, l'école, elle ne doit dériver ni vers un modèle élitiste qui trie, qui hiérarchise, qui sélectionne. Parce qu'en plus, quand on trie, quand on sélectionne, quand on hiérarchise, on se prive d'amener au meilleur d'eux-mêmes
une grande partie de la jeunesse, et notamment la jeunesse la plus défavorisée, à laquelle on ne donne pas accès à l'éducation. Donc même socialement, même en termes d'utilité sociale, même pas par générosité, quand on fait ce système-là, on aboutit à avoir moins de qualifications, moins de compétences, moins de richesses pour la société. Mais donc, ni dans cet élitisme, ni dans l'idée que, effectivement, tout va bien, il faudrait avoir un système qui, finalement, serait le plus uniformisé possible. C'est bien pour ça qu'on emploie le terme, nous, de démocratisation. Ça ne veut pas dire uniformisation, ça ne veut pas dire nivellement par le bas ou je ne sais quel autre qualificatif qui pourrait être accolé à ça. Ça veut dire que, effectivement, la démocratisation, c'est exigeant. Et donc, ça exige des conditions, ça exige des moyens, ça exige des personnels formés, ça exige une réflexion et ça exige aussi qu'on puisse ne pas donner exactement les mêmes formes d'enseignement au même moment à tout le monde. Mais ça exige effectivement qu'on puisse spécialiser, qu'on puisse amener au même savoir, au même niveau, par des voies différentes, les trois voies du lycée, mais aussi dans les niveaux antérieurs, dès l'école primaire, par la capacité à différencier les enseignements, travailler en petits groupes, arriver à justement raccrocher un élève qui à un moment est en difficulté, etc., etc., etc. C'est pour ça que c'était très important de développer tous les aspects contenu, programme, formation des personnels, parce que la démocratisation, c'est effectivement, si on le dit comme ça, ça peut rester un slogan. En revanche, si on réfléchit à ces conditions, alors ça prend corps. Et bon, on pourrait l'illustrer par plein de choses, hein, mais ce qui a été fait récemment sur la voie professionnelle, globalement, c'est effectivement une catastrophe. Hein, ce qui a été, la réforme du lycée pro a été une catastrophe, ça a été évoqué. Et quand on regarde un peu le discours qui a été tenu, notamment sur l'histoire de faire des familles de métiers, là, et du coup, de dire en gros, on va, et le bac pro 3 ans, c'était un peu la même philosophie, on va faire en sorte que, on va généraliser, on va mettre du général dans le professionnel, on va mettre plus de général, et donc on va rapprocher la voie professionnelle d'un certain fonctionnement du général. C'était le discours, hein, mais c'est évidemment à l'inverse qu'il faut aller, c'est conforter les enseignements professionnels, conforter des spécificités, pour justement que ces voies soient attractives, qu'elles amènent à un haut niveau, qu'elles amènent à un haut niveau de connaissances, de compétences, qu'elles permettent l'émancipation des élèves, leur culture citoyenne, mais leur culture aussi en termes de connaissances, etc. Et donc, c'est bien ça, cet objectif qu'on doit avoir, c'est-à-dire ne jamais avoir peur de dire qu'effectivement, il faut transformer le système, il faut, pour le démocratiser, changer beaucoup de choses et il aurait fallu une toute autre réforme de la voie professionnelle, hein, conforter les enseignements professionnels pour qu'ils amènent au même niveau mais par d'autres voies par exemple et ne jamais tomber dans la facilité du discours qui consiste à dire tous les élèves n'ont pas leur place à l'école donc on n'a qu'à s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre, l'apprentissage ou des voies de relégation, peu importe finalement, puisque l'objectif, c'est de dégager une élite et de ne faire que une éducation pour quelques-uns. Et dans ce cadre-là, ça correspond évidemment à tout un projet de société. Je disais tout à l'heure, quand on se coupe d'une partie de la jeunesse qui est la plus défavorisée, qui est celle qui a le plus besoin pour réussir d'école, et quand on l'exclut, quand on crée des filières qui, de fait, deviennent des filières de relégation, et que du coup, on en arrive à des situations où elle ne réussit pas, cette jeunesse, effectivement, parce qu'on a affaibli les moyens de sa réussite. On est aussi au service d'un projet de société qui était le fameux 50% de gens qualifiés, 50% de gens qui seront au service des premiers et qui seront des larbins et qu'on n'a pas besoin de qualifier finalement puisque ils peuvent travailler, ils sont ubérisés, ils peuvent travailler sur des plateformes, ils peuvent faire des tâches déqualifiées. Et tout le mouvement historique et ce qu'on a porté en tant que syndicat de l'éducation, c'est exactement l'inverse. Élevons le niveau de qualification pour que la jeunesse, ensuite, une fois qu'elle est une fois qu'elle s'insère sur le marché du travail, elle puisse avoir de quoi négocier un poste de travail qualifié, des salaires du coup valorisés, et donc un modèle de société où, au contraire, on ne promeut pas ce 50-50 et cette séparation de la société, mais où on promeut
l'élévation du niveau de qualification de tous. Et ça, c'est un modèle de société, là aussi, qui n'est pas une utopie. On n'est pas en train de rêver quand on dit ça. L'économie, selon nous, après, ça, tout dépend évidemment des politiques qu'on mène, mais l'économie a besoin d'avoir une population très qualifiée et d'avoir beaucoup de gens très qualifiés. Quand on voit les enjeux de la transition écologique, tous les métiers nouveaux dont on a besoin, quand on voit tous les enjeux nouveaux en termes économiques, on a évidemment, on sait qu'on a besoin d'avoir des qualifications importantes. Et par ailleurs, quoi de plus important que l'école pour créer les conditions d'une culture citoyenne, du vivre ensemble, tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes de violence sociale, c'est quand même lié aussi au fait qu'on bouche l'avenir d'une partie de la jeunesse. Et de ce fait, on a évidemment des phénomènes de séparation sociale et de frustration sociale, etc., etc. Tous les phénomènes qu'on connaît. Donc, démocratiser, c'est bien le maître mot pour la FSU. On l'inscrit, je le dis en deux mots, mais vous avez dû en parler déjà précédemment, hein, j'imagine, dans le cadre de la scolarité portée à 18 ans, qui nous semble un marqueur fort aussi à valoriser, à défendre, à porter dans le cadre de ce projet éducatif-là, puisque, je le disais, les besoins en qualification, les aptitudes cognitives qui sont nécessaires à la vie sociale, à la vie culturelle, à la vie professionnelle, se sont considérablement élevés. Et donc, la scolarité obligatoire, ça date de 1959. Et depuis, on voit bien que les besoins en termes de compétences, de qualifications se sont élevés. Et donc, il est temps de porter la scolarité obligatoire à 18 ans, mais bien dans le cadre de ce que je voulais dire là. Et je voulais dire également qu'il y a aussi eu beaucoup dans la dernière période, ça va avec, hein, mais tout le discours sur il faut donner les fondamentaux. Alors parfois c'est au service d'un discours qui se veut très progressiste aussi, hein, qui dit on construit les bases et on les construit jusqu'à très tard, y compris jusqu'au collège. Hein. On dit il faudrait donner à tous les élèves des fondamentaux, mais c'est souvent vu comme la base, c'est-à-dire le minimum, et on se refuse à travers ce discours à spécialiser. Donc on le fait parfois au nom d'un idéal. On dit il faut pas hiérarchiser, donc on va créer une école qu'on appelait à un moment l'école fondamentale, c'est-à-dire jusqu'à la fin du collège, on va avoir très peu de spécialisation, même de spécialisation disciplinaire. Et après, une fois que toute une génération aura eu ses fondamentaux, ben certains iront s'égayer dans un lycée, mais qui mènera à l'enseignement supérieur. Mais d'autres, par contre, iront vers l'apprentissage directement, vers la vie professionnelle directement. Et du coup, ce discours sur les fondamentaux, il s'est traduit au primaire, sous ce quinquennat, par un truc extrêmement dangereux qui a consisté pour les profs des écoles à être obligés de faire français, maths, français, maths, français, maths de manière la plus mécaniste qui soit, parce que en plus c'était dans les injonctions de Blanquer et que c'était relié à des évaluations standardisées et qui a été une catastrophe qui là aussi relève de la démagogie, parce qu'on a parfois dans l'opinion hein, l'idée qu'il faudrait effectivement construire les bases d'abord et après seulement donner accès au savoir important. Et en réalité, les profs des écoles nous le disent, les maths, ça se fait aussi en faisant de l'histoire, en faisant des sciences, en faisant de l'ouverture culturelle, et pas uniquement en le faisant de manière mécanique ou mécaniste. Et du coup, tout ce mouvement-là qui consiste à promouvoir des fondamentaux sous couvert de « on va d'abord consolider les bases », c'est un mouvement très dangereux si on veut construire une éducation premier, second degré, supérieur, qui, au contraire, élève le niveau de qualification très largement et qui amène vers un très haut niveau l'ensemble des élèves, bien entendu par des voies différentes, bien entendu par des voies qui peuvent être différentes. Dernière chose que je voulais dire, oui, Sophie m'y a invité, ça passe alors, par des moyens, par des personnels reconnus, revalorisés, etc. Je pense que ce qu'elle a dit est très important sur le statut des personnels. Les propositions qui sont faites dans la campagne électorale visent à remettre en cause fondamentalement le statut. Il est sacrément écorné déjà, le statut, parce que d'abord, le fait qu'il y ait peu de revalorisation,
voire enfin, même pas du tout, dans la dernière période. Ça conduit au fait qu'il n'y a plus de candidats au concours de l'enseignement et donc qu'on recourt, quand on le peut, de plus en plus à des personnels contractuels. C'est tout l'esprit de la loi de 2019 aussi, hein, de faciliter ce recours aux contractuels. Et ça, pour avoir des personnels justement sur deux, bien formés, qui arrivent à savoir à peu près et dans la pérennité comment prendre les choses, comment enseigner correctement, comment amener les élèves à la réussite, comment ça c'est très évidemment compliqué, mais tout le monde le voit bien, hein, comment se projeter quand on est un personnel qui est ballotté, qui est soumis au bon vouloir du chef d'établissement l'année suivante, qui a pas été formé, qui a été jeté comme ça là sur le terrain très rapidement. Et ça, c'est une évolution malheureusement en cours sous nos yeux du système éducatif. Hein, on voit que le système recrute de plus en plus de personnel contractuel. Or, le personnel sous statut, c'est pas pour notre confort personnel que nous voulons être sous statut. Et bon, un peu, j'ai horreur de ce mot de confort personnel, mais c'est pas une revendication corporatiste. C'est l'idée vraiment qu'on a besoin d'être des personnels qui ont une relative indépendance, qui peuvent avoir cette liberté pédagogique dont on parle tant et qui permet justement d'avoir un certain nombre de pratiques pédagogiques, de pratiques professionnelles qui soient plus, que ce soit plus sécurisant en quelque sorte, un cadre plus sécurisant. Et la deuxième chose, c'est aussi tout ce qui s'est passé sur la remise en cause globale des fondements statutaires et qui peut aussi se passer évidemment par la suite et qui évidemment nous soumet à beaucoup plus d'insécurité, d'incertitude, et qui devra être combattu évidemment dans la prochaine période. Mais dernière chose, je voudrais conclure en disant que évidemment qu'on a connu des évolutions négatives, évidemment que le débat présidentiel n'est pas des plus réjouissants, surtout si on s'arrête sur les propositions pour l'enseignement des candidats de droite, d'extrême droite, les propositions libérales qui reviennent, Eric y a fait référence. Mais de notre côté, tout est loin d'être à terre. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a quand même un système avec des personnels qui ont envie de faire correctement leur travail, même s'ils en sont parfois empêchés, même si c'est difficile, etc. Toutes les enquêtes le montrent. Hein, les professeurs, notamment, sont avec une haute culture du service public. Et ça, c'est un point d'appui majeur, fondamental, intéressant pour la suite. Même si évidemment, hein, après je ne méconnais pas les difficultés. Et deux, on a, si tant est qu'on arrive à discuter et à approfondir les débats, une opinion qui n'est pas si défavorable que ça à ce qu'on peut dire. Je disais tout à l'heure, les propos démagogiques et faciles sur lesquels on peut parfois s'appuyer. Il y a des élèves qu'il faudrait orienter de manière précoce dès la cinquième. Ça, c'est le propos un peu facile et qu'on entend beaucoup, y compris en salle des profs. Mais quand on creuse un petit peu les choses et quand on dit oui, il y a aujourd'hui des élèves qui se sentent mal dans le système éducatif, mais qu'est-ce qu'on fait justement? Qu'est-ce qu'on fait dès la cinquième, en quatrième, en troisième, en seconde, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait vraiment pour les raccrocher, leur donner éventuellement des choses un peu différentes? Qu'est-ce qu'on fait pour vraiment les amener au même niveau que les autres? Parce qu'on est persuadé que tout le monde est capable. Et c'est effectivement l'importance de ce tous capables qu'il faut rappeler. Quand on dit ça, quand on arrive à creuser les choses, quand on arrive à débattre, alors effectivement, on a une opinion qui est très demandeuse, en tout cas, d'un système éducatif plus efficace, plus simple, plus lisible, là où Blanquer a beaucoup complexifié les choses. Et donc, cette idée de la démocratisation, on doit, je veux pas dire envers et contre tout, mais on doit continuer à la porter parce qu'elle est porteuse d'espoir, véritablement. C'est la seule voie, de toute façon, qui est devant nous et qui doit être absolument défendue. Et évidemment, quel que soit le résultat des élections, mais c'est une voie d'avenir, véritablement. C'est pas une voie de doux rêveur, de naïf, mais au contraire, c'est une voie exigeante, mais c'est la voie la plus efficace pour améliorer le système éducatif, ce qu'on veut tous et toutes ici. Voilà. Alors, on va prendre un temps après d'échange, mais je vous propose quand même
de faire une petite conclusion partielle de cette table ronde, déjà en remerciant très sincèrement et chaleureusement pour votre disponibilité et la qualité de vos interventions. Et je crois que ce dernier atelier était très important aussi pour nous parce qu'il donne à voir la richesse qu'est la FSU. En fait, on se rend compte par la qualité aussi des interventions qu'on a une expertise chacun et chacune dans notre domaine, mais par les échanges réguliers qu'on a formels, informels, par le travail en commun qu'on mène, on a une approche globale et très rigoureuse de ce qu'est le second degré, et on va même dire plus largement de ce qu'est le service public éducatif. Et je crois que ce qui caractérise la FSU dans la période, mais bon, ça c'est aussi son histoire, c'est certainement cette intelligence collective au service de l'égalité. Alors le SNUEP a entièrement sa place dans ce cadre, hein, et je vais reprendre une formule que l'on utilise très souvent chez nous au SNUEP, c'est que la voie professionnelle est au cœur d'enjeux socio-économiques, on le voit d'autant plus en ce moment, qui dépasse le seul cadre scolaire. Et on l'a vu, on a pu le mesurer malheureusement depuis 5 ans, la voie professionnelle a été une cible privilégiée des politiques libérales menées. Donc évidemment, avec la transformation de la voie professionnelle, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas revenir, on sait l'objectif qu'a poursuivi Blanquer quand il a décidé de démanteler en réalité la voie professionnelle, quand dans le même temps, on l'a vu tout à l'heure dans l'atelier sur l'apprentissage, il a été décidé de développer l'apprentissage à tout craint, mais pas dans un objectif d'une formation par apprentissage qui permettrait justement à tous les jeunes chômeurs non qualifiés de retrouver un emploi. Mais l'idée de l'apprentissage telle qu'elle est portée aujourd'hui par ce gouvernement, c'est simplement de pouvoir offrir, c'est un effet d'aubaine pour les entreprises, et offrir de l'argent public gratuitement. Je crois qu'il faut qu'on continue hein, à marteler ce qui a été dit les conclusions de toutes les tables rondes, c'est que l'apprentissage pour les jeunes que nous scolarisons, et je rejoins Eric, il faut dire les mots, les enfants de pauvres, c'est le système par apprentissage, le développer pour nos élèves, c'est un danger profond. Il va falloir qu'on se batte fortement parce que c'est loin d'être une solution émancipatrice. Il faut qu'on continue aussi à marteler les résultats de l'enquête Harris, justement toute la partie liée à l'apprentissage intégré. Vous avez vu ce que déclarent les PLP, c'est qu'ils dégradent toujours plus les conditions de travail, mais aussi ils baissent le niveau de tous les élèves. Et on doit quand même continuer à dire que les LP fabriquent plus d'égalité, les lycées professionnels permettent à tous ces jeunes d'accéder à un diplôme, un premier niveau de qualification par un diplôme, d'un taux d'accès au diplôme supérieur, et qui permet l'élévation aussi du niveau de qualification, parce que avec les projets, le projet du candidat Macron, c'est un abandon pur et simple d'une des finalités des diplômes professionnels, qui est celui de pouvoir poursuivre ses études. Bon, je vais vous donner la parole. Le SNUEP, je crois, comme les autres syndicats nationaux de la FSU et comme la FSU en général, on porte évidemment un projet à l'opposé de celui actuel qui a décidé d'organiser la fragmentation de la jeunesse. Nous, je vais essayer de résumer un peu ce que pourrait être l'idée de démocratisation de second degré. Et déjà, je vous demande de me pardonner ce résumé à la hache. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que chaque jeune trouve sa place dans une des trois voies du lycée afin d'acquérir une formation solide et équilibrée et émancipatrice pour, un, pouvoir poursuivre ses études s'il le veut, ou pour une entrée durable dans l'emploi. Et je rappelle ici à ce à quoi nous sommes attachés, c'est ce choix. Parce que réussir sa vie, c'est pas obligatoirement aller faire des études supérieures. On le sait, nous, au SNUEP. Par contre, il faut donner à tous les jeunes la possibilité d'accéder à un premier niveau de qualification par un diplôme qui leur permette une entrée durable dans l'emploi. C'est pas le cas aujourd'hui, et il faut qu'on continue à se battre là-dedans. Sur ces leviers-là. Alors, ce qu'on vous propose, on vous a distribué un appel, l'appel qui va servir en fait de conclusion, en gros, à ces ateliers de la voie professionnelle. Cet appel, on l'a appelé « Renforcer la voie professionnelle sous statut scolaire est une exigence sociale ». Le fil rouge
de cet appel. Hein, je ne vais pas vous le lire, ne vous inquiétez pas. Le fil rouge, je crois que c'est vraiment c'est la valeur d'égalité. C'est ces valeurs d'égalité qui ont été fortement mises à mal par toutes les politiques libérales successives. Et les pistes qu'on propose évidemment dans ce fil rouge, c'est dans cet appel, c'est comment on renforce les services, le service public, en particulier le service public d'éducation et encore plus la voie professionnelle. Tous ces outils sont des outils fondamentaux pour fabriquer de l'égalité. Donc voilà, je vous propose donc de le lire, cet appel, tranquillement, et surtout de le partager, de le partager avec les collègues dans vos établissements, de le partager avec tous nos camarades des syndicats nationaux de la FSU, de réfléchir à ce qu'on peut faire de cet appel, de le partager en intersyndical voie pro. Et je crois que on a prouvé aujourd'hui que la voie professionnelle, oui, on sait, elle est fortement attaquée. On a un gouvernement qui attaque la voie professionnelle. Mais en réponse, il n'aura pas que le SNUEP en face de lui, car aujourd'hui, par la signature concrète des camarades ici présents de cet appel, il y aura une riposte syndicale forte, et cette riposte sera fédérale. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, le Ligérien, exactement. Oui, au niveau, moi j'adore le mot démocratisation. Et quand on regarde un petit peu, alors hier j'ai parlé à un moment qu'on formait à des métiers, ce qu'on n'entend plus parler maintenant, on parle d'entreprise. Mais moi je vais revenir un peu en arrière. À une époque, on nous parlait qu'il fallait gérer la France comme un bon père de famille, valeur familiale. Il y a, je crois que c'était Messier à une époque, pour les plus anciens, ils se rappellent de ce monsieur, qui considérait, qui avait fait un bouquin où il ne parlait pas de citoyens, mais il parlait de consommateurs. En gros, c'était une image de la société qui était inquiétante et il passait partout. Maintenant, on nous parle de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, moi, je ne sais pas ce que c'est une entreprise. Hier, je parlais des métiers, qu'on formait à des métiers. C'est-à-dire que moi, je forme un menuisier, par exemple. Il peut être dans une entreprise, il peut être dans l'artisanat, il peut être dans la fonction publique, il peut être dans plein de choses. Il peut même aller travailler ailleurs que dans la menuiserie, d'ailleurs. S'il a une bonne base, il pourra toujours retomber sur quelque chose. Même finir prof de PS s'il passe par le STAPS, ça mène à tout. Et là, ça veut dire que maintenant, les grandes valeurs, on nous dit, ça serait une entreprise, ça fonctionnerait pas comme ça. Excuse-moi, je t'ai réveillé. Et le problème, c'est-à-dire que là, actuellement, l'entreprise, s'il y a bien quelque chose qui est antidémocratique, c'est bien l'entreprise. C'est-à-dire qu'on nous sort comme modèle de société l'entreprise et on nous parle de démocratie, etc. Et après, s'étonne qu'il n'y ait que 30% ou 40% de participation aux élections. Mais elle est où, la démocratie, là ? Quand le modèle, c'est le truc le moins démocratique qui existe. Hein. Parce que la démocratie avec les patrons, chaud. Obligé d'être. Oui, alors moi je voulais t'interpeller, un collègue du SNEP, ouais, voilà. Bref, tu sais de qui je parle. Moi je suis toujours étonnée qu'on prenne des exemples d'un parcours qu'on a eu il y a des années, etc. Parce que moi j'ai une question, est-ce que c'est possible de l'appliquer à l'heure actuelle avec tout ce qu'on met en place pour dégrader l'enseignement ? Et qui fait que les gamins qui sont de CSP moins n'arrivent pas. Parce que moi aussi, j'ai plein d'exemples. Moi, je suis issue, je suis née dans un camp de harkis. Mes parents sont analphabètes, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. On a lutté, on nous a aidés, là. Il a fallu qu'on se batte. Je
qu'on n'est pas l'ascenseur social, mais l'échelle à cordes. Voilà. Donc, je trouve que je ne peux même plus dupliquer cet exemple-là actuellement, parce que je trouve que les gamins, ils ont encore à plus lutter que nous. Ça, c'était la première remarque. Après, je peux me tromper. Et la deuxième remarque, je reviens sur l'apprentissage que je vis avec les BTS. Dans mes trois classes l'année prochaine, on a décidé, la direction a décidé de mettre en place en priorité l'apprentissage au lieu de mettre de l'initial pour le BTS. Donc, je trouve que c'est des stratégies pernicieuses qui sont de plus en plus installées. On va choisir les élèves, d'abord en apprenti, et s'il reste de la place, on va mettre des initiaux. Et ceux qui sont en initial cette année, en première année, le chef des travaux les a convoqués pour leur dire « Écoutez, on peut vous trouver des entreprises pour que vous puissiez passer en apprentissage. » Et quand on a fait la journée porte ouverte, je m'arrêterai là, quand on a reçu les parents, il y avait la personne du CFA de notre bassin, très actif. Il fallait voir les moyens, les flyers, les machins, le discours bien rodé commercial qu'il avait à côté de nous pour attirer tous les gamins vers l'apprentissage. Et l'exemple qui était mis, c'est que vous allez gagner des sous. Et vous aviez les parents à côté qui disaient « Oui, c'est vrai que nous, on est dans la galère et on n'est pas insensible à cet argument. » Et je trouve que c'est là où nous coince. Pour moi, la démocratisation, elle est difficile depuis longtemps. Elle est difficile parce que finalement, au départ, la France... Pardon, alors excusez-moi. Sandrine Peignon, SNUEP, retraitée des PLP depuis peu et donc à La Réunion. Et donc, je disais que la démocratisation, pour moi, ça fait un moment qu'on rame aussi. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a quand même l'élite intellectuelle qui a été... le fer de lance de la France pendant des années. Du coup, quand on parlait, vous savez, toutes ces petites choses manuelles qu'on trouve un peu en lycée professionnel avec un truc de réduction, par exemple, pour divers métiers qui ne sont pas manuels du tout, mais ce n'est pas grave. En tout cas, c'est comme ça que c'était porté. Et c'était porté depuis toujours. Enfin, je veux dire, ce n'est pas pour faire des histoires personnelles, mais moi, pour arriver à demander et me battre contre mes parents pour rentrer en bac techno, je m'en souviens bien, et pour avoir voulu rentrer à l'université plusieurs années après mon bac, voir l'accueil que j'avais à l'université. Donc, voilà, en ayant passé un CAP entre-temps, donc pour vous dire que voilà, j'ai vécu des moments un peu incroyables et ça n'a pas beaucoup changé. Ce qui a fondamentalement changé, là, c'est qu'on est passé... de la hiérarchisation par l'intellectuel à la hiérarchisation par le pognon. On a actuellement, et depuis Macron tout particulièrement, un gouvernement qui a assis ses valeurs, son autorité, son ultra-arrogance sur le pognon. Et c'est tout ce qui mène le monde déjà depuis un moment, mais là, le problème, c'est qu'on est vraiment au cœur de la dynamique. Du coup, si, pour reprendre l'exemple de la coiffure, parce qu'on a beaucoup parlé coiffure hier, donc on va reprendre l'exemple de la coiffure. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve vraiment cette dichotomie. C'est-à-dire que quand on passe un CAP de coiffure et qu'on se retrouve salarié dans la coiffure, on est payé des cacahuètes. Par contre, si on devient franc provost, qu'on ouvre une franchise, qu'on a plein de salons de coiffure dans toute la France et qu'on devient un chef d'entreprise, là, on rentre dans le haut du panier. Et toute la différence, elle est là et elle est systématiquement là. Et je vais vous dire pourquoi ça m'énerve, parce que pour moi, la fac, ce n'est pas l'enseignement supérieur, c'est l'enseignement universitaire. Parce que si on continue à parler d'enseignement supérieur, ça veut dire que tout ce qu'il y a ailleurs, c'est enseignement inférieur. Or, en France, on a toujours tendance à ces choses-là. Et si on veut l'égale dignité des voix, ça veut dire des reconnaissances de salaire, même pour des métiers, alors a fortiori pour des métiers de merde, comme les pauvres femmes de ménage que j'ai vu galérer ce matin à l'hôtel, etc., etc. Et ça, on ne pourra le retrouver qu'à partir du moment où, à un moment donné, on arrête de poser la société dans une hiérarchie, qu'elle soit intellectuelle, du pognon, du sexe ou de ce que vous voulez, parce que c'est là que le bât blesse profondément. Voilà. Mais pour la France, c'est de l'intellectuel au pognon. Je ne suis pas sûr qu'on ait gagné là-dedans. François Clément, Académie de Lyon. Encore une fois, moi j'aurais trois remarques. La première, c'est que je suis surpris de ne pas voir les copains du SNETAP parmi nous, puisque dans le second degré, il y a aussi le SNETAP. Donc voilà, ça c'est un truc. C'est peut-être le seul bémol que je dirais sur ce qu'on a fait depuis deux jours. Après, deuxième point, il me semble qu'il y a la politique gouvernementale, certes, mais il y a aussi nos ennemis qui sont dans les régions. La carte des formations
et la formation professionnelle est une compétence régionale, et que nous, FSU, avec notre petite strapontin qu'on nous laisse dans les instances et les moyens qu'on se donne, on n'est pas assez présent pour défendre nos positions, donc dans tout ce qui est instance régionale, les CREFOP et toutes ces choses-là. Donc ça, à mon avis, c'est un vrai truc qu'il va falloir qu'on réfléchisse au sein de la FSU pour se donner les moyens, pour être beaucoup plus présent et beaucoup plus actif, parce que, pour le voir hein, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une vraie difficulté, c'est le SNUEB qui porte ça, et on n'a pas les épaules suffisantes pour porter ça tout seul. Et puis, dernier point, il me semble que dans l'enseignement, le corps des PLP est quand même très spécifique. Sur la démocratisation, je veux dire, on a des collègues qui emmènent des élèves à des niveaux intéressants de formation et qui n'ont eu à la base qu'un CAP. Et donc ça, c'est une vraie richesse qu'il faut vraiment mettre en valeur. Notre spécificité de corps dans la démocratisation de l'enseignement, c'est déjà vécu par de nombreux collègues. Jérôme Dameray, professeur de maths sciences à Reims. Non, je voulais réagir déjà sur une chose, sur la question de la démocratisation. Finalement, je me disais, je me renvoyais à mon propre parcours aussi, ça nous arrive aussi. Et finalement, je me disais qu'au travers de la massification, alors dans les années 90, on parlait de massification, démocratisation. En tout cas, je me disais qu'à cette période-là, il y avait encore quelque part la chance. En tout cas, moi, je l'ai senti comme ça pour moi, parce que je vois mon fils actuellement qui est au lycée. Je me dis, mais si j'étais à sa place, je ne serais jamais actuellement prof. Ça serait impossible. Donc, ce que nous, on a vécu à un moment, c'est-à-dire effectivement la chance de pouvoir faire des études supérieures, même si ce n'est pas une finalité en soi, mais finalement aussi d'accéder à des métiers comme les métiers d'enseignants, eh ben aujourd'hui, c'est plus possible. Et je trouve ça quand même assez dramatique pour notre société. Et voilà, vos interventions, ça m'a aussi fait réagir là-dessus. Après, moi, j'ai une demande, mais c'est pas une demande, mais j'ai un souhait très fort, c'est que depuis, je sais plus combien de congrès, on a quand même un mandat fort sur la scolarité obligatoire à 18 ans, depuis peut-être Lille ou avant, enfin bon, ça, peut-être une vingtaine d'années, je ne sais pas, j'ai pas été revoir. Et depuis maintenant, je ne sais plus combien de congrès, on a un mandat d'études pour travailler sur le lycée. Je me dis, mais quand est-ce qu'on va se mettre autour d'une table, globalement? Alors, on l'a peut-être commencé aujourd'hui, mais et travailler concrètement, effectivement, à cette idée-là de reconstruire un système autour d'autres choses qui existent actuellement, en se donnant voilà, soyons utopiques aussi un petit peu, essayons d'être créatifs. Sortons voilà, des projets qui soient réellement des projets qui pourraient, avec des chercheurs, qui pourraient peut-être nous apporter des choses. Et regardons après comment on peut le mettre en œuvre. Alors, ça ne sera peut-être pas possible à mettre en œuvre tout de suite, mais donnons-nous une stratégie à terme pour mettre en œuvre un projet qui serait construit. Et ce projet-là, je pense qu'il y a urgence à le travailler très rapidement. On le sent, nous, dans la voie professionnelle. C'est-à-dire que de réforme en réforme, on se dit la prochaine, ça sera la dernière parce qu'on n'existera plus. Mais quand on dit qu'il y a une urgence sociale, je pense que c'est d'actualité urgentissime. Oui, quelques remarques, mais ça sera très largement complété par les interventions des uns et des autres. D'abord, sur la question qui est revenue à plusieurs reprises, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'avoir des parcours atypiques? Est-ce que ça existe encore ou pas aujourd'hui? Moi, je pense que ça existe, parce qu'on parle quand même souvent, on nous parle de transfuge de classe, c'est souvent des mots, des exemples qui reviennent, mais justement, ce sont des exemples et qui parfois sont utilisés comme un peu cache-misère de tout le reste. Et ça vient même légitimer quelque part la dimension très inégalitaire de notre système éducatif. On sait très bien qu'on a quand même bon nombre de responsables politiques, à commencer par ce ministre, qui se gargarise de pouvoir mettre en avant la vitrine et de dire « Regardez, on a quelques élèves qui ont réussi en partant de rien ».
tout en démolissant à côté le reste du système éducatif. Et c'est tout le débat qu'on a autour de du caractère méritocratique de notre système. Est-ce que dit-on de la notion de méritocratie? C'est en fait ça qu'il y a derrière. Donc moi, un des éléments de, enfin pas de réponse d'ailleurs, mais de début de réflexion à cette question de est-ce que les parcours atypiques sont encore possibles aujourd'hui, je pense qu'ils sont effectivement rendus plus difficiles, qu'il y en a encore quelques-uns, qui sont très peu nombreux, qu'ils ont une utilité politique, c'est-à-dire qu'ils servent à légitimer le fait que notre système éducatif, pour certains, fonctionnerait, puisqu'on nous dit, mais regardez, on a des exemples d'ascension sociale, mais qu'il faut pas que ça soit un leurre pour nous, mais plutôt une façon de montrer qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on peut pas se satisfaire de deux ou trois, enfin de quelques élèves dans nos établissements scolaires qui accèdent à ces parcours-là. Donc, mais c'est voilà, c'est soumis à la réflexion collective et c'est mais je pense que collectivement on aurait aussi intérêt à travailler syndicalement autour de la notion de méritocratie parce que ça nous est souvent renvoyé comme étant finalement la preuve que notre système fonctionne. Et je ne sais pas si c'est le meilleur indicateur du bon fonctionnement de notre système. Mais, ensuite, sur la question de, notamment de la place des régions, tu citais la place des régions. Nous, on le vit aussi pour les psychologues de l'éducation nationale qui subissent de plein fouet la concurrence des régions. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender. Mais il y a aussi finalement un parallèle qui est que les régions ont un appétit sur finalement cette dimension de notre système éducatif et peut-être qu'on aurait aussi intérêt à voir comment est-ce qu'on travaille ces questions. Et de la même manière sur la question de du lycée, alors on a ce mandat depuis finalement, moi non plus je sais, j'ai pas révisé donc je sais pas depuis combien de congrès, mais je sais que depuis quelques mois on a ce travail et ça peut peut-être être une porte d'entrée sur la classe de seconde et ça peut peut-être être la porte d'entrée qui nous permet de travailler ensemble sur la façon dont on conçoit le lycée, la façon dont on conçoit la démocratisation, et peut-être que le fait d'entrer par cette porte-là, qui est peut-être un peu plus étroite, c'est pas le bon mot, mais qui est de fait un peu plus étroite que de prendre l'entrée lycée, ça peut peut-être nous permettre d'avancer rapidement, parce que je partage l'idée qu'il y a urgence de travailler finalement à la structuration du second degré dans la perspective de la démocratisation. J'enchaîne, j'ai pas beaucoup d'autres réponses parce qu'il y avait beaucoup d'interventions qui étaient des analyses de la situation que je partage très largement. Pour revenir à ce que disait Sophie, effectivement, faut noter quand même qu'au dernier congrès de la FSU, on s'est donné un mandat d'étude spécifique sur la classe de seconde. C'est une entrée effectivement resserrée et c'est pas la plus simple. Hein. On peut pas dire qu'on se soit mis dans la solution de facilité. Voilà. Donc, mais justement, ça va être probablement intéressant de voir comment on peut travailler cette question-là. Qu'est-ce qu'on voit comme rôle de la classe de seconde? Qu'est-ce qu'on entend après par passerelle, voie pro, voie générale et technologique, etc. Tout ça, évidemment, ça va découler de ce qu'on peut dire sur la classe de seconde. Et puis redire effectivement que il faut arriver à redéfinir aussi ce qu'on entend sans doute par réussite. C'était intéressant, hein, les remarques, et Sophie l'a redit aussi. Ça renvoie aussi au questionnement sur le modèle entrepreneurial, effectivement, qui est toujours promu. Moi, je crois qu'il faut effectivement valoriser les parcours de réussite et les belles réussites, y compris de la voie professionnelle. C'est central, quoi, dans la manière dont on arrive à montrer que le système éducatif et la voie professionnelle en particulier amenait encore plus avant parce que désormais elle a été quand même fragilisée à des vraies réussites, mais au sens où nous on peut l'entendre aussi, et c'est aussi des réussites sociales, c'est aussi former des citoyens, c'est aussi tout cet ensemble de choses. Et puis se redire aussi qu'effectivement, mais c'était l'intervention de la camarade de la Réunion, que je vois plus qui est partie, ah non, qui est là-haut. Mais effectivement, tu as raison, faut se redire aussi que on a un modèle français qui est un modèle très élitiste de fait et de base. Et donc la démocratisation, elle a toujours été difficile. Et je crois aussi que se remettre dans cette perspective-là, ça permet aussi d'avancer, de redire que tout reste à construire, quoi. Il y a beaucoup de choses. Et je rejoins ce que disait Jérôme, hein, à nous d'être inventifs, de proposer véritablement des choses concevables, mais véritablement réalisables et qui permettent d'avancer.
pour reconstruire un système éducatif démocratisant. Bon, d'accord. Non, mais je vais répondre à l'interpellation. Pourquoi prendre un exemple personnel ? Enfin, pour moi, c'est relativement normal dans le sens où on ne peut réfléchir au système éducatif ou on ne peut réfléchir à autre chose. D'ailleurs, ex nihilo, on part toujours du vécu qu'on a eu et c'est à partir de là qu'on se forme et qu'on se forge une opinion ou des réflexions sur le sujet qui nous intéresse. Je suis prof de PS, donc vous comprendrez que je puisse parler comme ça, quoi. De toute façon, c'est quand même l'expérience et le vécu qui fait qu'on réfléchisse d'une certaine manière. Il est à prendre que pour ce qu'il est. Je suis d'accord avec toi. La question, c'est le changement des représentations de nos collègues. Même si ça a beaucoup évolué, moi, là où je disais ce que j'ai vécu, finalement, c'est que voulant aller en lycée agricole, l'image du lycée agricole était dégradée chez les enseignants. Et que la voie royale, c'était le lycée général. C'est ça que je veux dire. Et qu'il faut, à un moment donné, respecter le choix des élèves. Si vraiment il veut aller quelque part, c'est qu'il a des raisons pour vouloir y aller. Et qu'il n'y a pas à s'y opposer parce qu'on aurait décidé que telle voie était meilleure que telle autre. C'était juste ça. Et moi, je te rejoins complètement parce que le parcours que j'ai pu vivre, pour le coup, j'aurais jamais été prof de PS. Sortant de lycée agricole, avec un dossier un peu, voilà, Parcoursup, barrière, terminé. Hein. Donc, ce que j'ai vécu, beaucoup de gamins ne peuvent plus le vivre maintenant. Et ça, c'est horrible, quoi, tout simplement. Que dire ? Oui, sur ces parcours un petit peu exceptionnels aussi, je vous encourage, si ce n'est déjà fait, à la lecture du livre de Jean-Paul Delahaye, L'exception consolante. Jean-Paul Delahaye, ancien inspecteur général et des GESCO de François Payon, qui montre à travers son exemple personnel que finalement, de tout temps, à l'école, nous avons eu ces exceptions que nous avons réussi à identifier et qui étaient justement des parcours tellement formidables qu'ils permettaient, comme tu le disais, Sophie, d'avoir une justification politique. Ils permettaient de montrer que l'école permettait à des enfants de familles très pauvres de parvenir à des fonctions importantes et que ces exceptions consolaient l'ensemble du système de ces échecs par ailleurs. Donc c'est un exemple assez intéressant et donc une anecdote, puisque j'aime beaucoup les anecdotes, vous avez remarqué. Les inspecteurs et les inspectrices, non, il n'y avait que des inspecteurs à l'époque, à la fin du 19e siècle, ils ne s'asseyaient pas au fond de la classe. Ils s'asseyaient à côté de l'enseignant et ils interrogeaient les élèves parce qu'ils allaient identifier dans la classe ce qu'ils allaient pouvoir extraire justement pour ensuite entrer au petit lycée, etc., et poursuivre un parcours. Donc c'était une vision complètement inversée de la démocratisation. Bien sûr, ça permettait en effet à quelques élèves d'accéder à des études supérieures, mais c'était tout à fait ciblé. Sur l'apprentissage, oui, l'apprentissage est un miroir aux alouettes. Je pense qu'il y a aussi une stratégie aujourd'hui. Alors, à la fois, on l'a vu parce qu'il y a quand même plusieurs centaines de milliers d'apprentis, qui, je crois, de 200 000 apprentis de plus en 3 ans, c'est énorme. Et donc, évidemment, ça vient jouer sur les chiffres du chômage, c'est évident. Mais il y a aussi une stratégie qui consiste à sortir les élèves du système scolaire, à les faire travailler. Et évidemment, ça va attirer, je crois que tu le disais, enfin, la camarade le disait tout à l'heure, des enfants de familles qui rencontrent des difficultés sociales. Évidemment, 600 ou 800 euros qui rentrent dans le foyer, c'est très intéressant. Donc, la famille est intéressée par ça, le jeune également, parce que ça lui donne un petit peu de sous. Mais finalement, ils vont vite décrocher de l'école et ne plus du tout avoir envie, après avoir fait un BTS, de poursuivre sur un parcours plus long qui les obligerait à revenir à l'université ou sur un système qui, lui, ne serait pas rémunéré. Donc, il y a une vraie perversion, je pense, aussi
la manière dont aujourd'hui est présenté l'apprentissage. Et encore une fois, donc je disais un miroir aux alouettes parce que l'apprentissage n'est pas une affectation. L'apprentissage, c'est un recrutement. Et je peux vous le dire en tant qu'inspecteur, quand je visite une classe, d'un CAP, je vois cette classe et je vois la diversité des élèves qui sont là, qui représentent bien notre société, très multiculturelle, très colorée. Lorsque je vais ensuite dans un CFA, que je vois la même classe du même CAP d'apprentis, je peux vous dire que ce sont des petites têtes blondes. Ce ne sont pas du tout les mêmes profils d'élèves en CFA et en lycée professionnel, parce qu'en lycée professionnel, on accueille tout le monde. Et au CFA, ce ne sont que des élèves qui ont été recrutés par des entreprises pour leurs besoins. Donc, ce n'est pas du tout le même accès. Il y a cet aspect-là. Et puis également, le fait qu'aujourd'hui, mais je crois que tu l'as dit tout à l'heure, Sigrid, les élèves réussissent moins bien en apprentissage qu'au lycée professionnel. Les résultats sont moins bons. Et en plus, il y a un taux d'abandon qui est énorme, plus de 40%. Plus de 40% des élèves qui intègrent aujourd'hui les CFA ne terminent pas leurs études. Donc le taux d'accès aujourd'hui des filières en apprentissage est catastrophique. Mais évidemment, tout ça sort des statistiques et donc les résultats qui sont montrés sont beaucoup plus glorieux que ne l'est la réalité. Eh ben, ça va être le mot de la fin, le moment de nous quitter. Alors, bon, tiens, si on se le risque, ça va nous faire du bien. j'ai prévu 2 minutes. Hein. Oui, on va chanter après. On vous suit. Bon, en tout cas, merci, un grand merci pour votre présence à vous, pour votre engagement au quotidien, pour tous les PLP et évidemment pour tous les jeunes. Un merci encore, je ne sais pas s'ils nous regardent, mais pour les classes.